Salut et bienvenue dans 6 Easter Eggs extraordinaires. Cette semaine, on va parler de Hearthstone et il y a plein de trucs à dire parce que y a plein de cartes. C'est parti. La carte Elite Tauren Shiftin invoque la carte Je suis Morlock. Eh bien, sur l'image de cette carte, on peut voir plusieurs Easter Eggs. Par exemple, un Murloc en Space Marine de StarCraft. Mais la référence la plus fine est la présence d'une étrange éponge carrée, d'une étoile de mer rose avec un caleçon vert et d'un Bernard l'Ermite ressemblant étrangement à un crabe. Et oui, ce sont bien Bob l'Éponge, Patrick l'Étoile de Mer et Eugène Krabs. Un joli clin d'œil marin. La carte Entité Miroir est assez commune, mais son clin d'œil est assez fin. En effet, le mage a des sorts dans les mains qui sont étrangement similaires au portail des jeux Portal de Valve, le bleu et l'orange. D'ailleurs, derrière, il y a quelqu'un qui traverse un portail. Mais attendez là, sur ses épaulières, c'est le logo d'Aperture Science, l'entreprise dans les jeux Portal. Mais mieux, regardez ce qu'il porte autour du cou. C'est purement et simplement le fameux Companion Cube. Ah ben, c'est GLaDOS qui sera ravi, hein. Référence plus fine. Le texte de la carte Vaurien Cliquetant est « N'abandonnez pas, squelette ». C'est en fait un texte très populaire laissé par les joueurs de Dark Souls. Et oui, dans Dark Souls, vous pouvez laisser des messages brillants au sol, mais seulement avec une sélection préétablie de mots. Les joueurs s'amusent donc à en laisser près des squelettes ayant des postures amusantes. Ici, pour un squelette tentant de sortir d'une marmite de lave. Un autre populaire est celui-ci, disant au squelette de bien écouter. Bon, le plus drôle étant celui près d'un cadavre penché en avant, Try Tongue But Hole, qui est un jeu de mots disant essayez langue, trou du cul, mais écrit essayez langue, mais trou. Voilà. Ah oui, quand on traduit une blague, ça la tue. Mais c'est quand même drôle, je vous assure. Dans certaines conditions, certaines cartes changent la phrase qu'elles disent en arrivant en jeu. Par exemple, la carte Sir Finlay Merrington, jouée face à Morgul l'Oracle, dira bonjour vieil ami, allons boire un thé après le match, d'accord? Eh oui! Ce sont deux Murlocs. Plus scénaristique, lorsque vous invoquez Illidan Hurlorage face à Malfurion, il le saluera d'un « bonjour frère » car ils sont frères jumeaux, hein, tout simplement. Dans le même genre, face à Kel'Thuzad, le boss de l'antre du Wyrm de Givre, il y a pas mal de dialogues uniques. Mais le plus amusant, c'est si vous invoquez compagnon animal. Vous aurez le droit à un chat nommé Mr. Bigglesworth, le chaton du boss. Son nom est d'ailleurs un clin d'œil au chat du Docteur d'Enfer dans Austin Powers. Tant qu'on parle de Docteur, eh bien la carte Docteur Boom est une référence directe à Docteur Doom, le fameux méchant de Marvel. Bon, déjà le nom, hein, c'est évident, mais ensuite la pose tenue avec la cape à capuche verte et les bras croisés, mais surtout le texte de la carte en VO est « Marvel at his might ». Donc difficile de faire plus direct, hein, Marvel pour Marvel, vous avez compris. Pour finir, Blizzard n'hésite pas à se faire référence à soi-même, quitte à ce que cela pique un petit peu. Et oui, le gardien de Cobalt, lorsqu'il meurt, dit, en tout cas en VO, « Erreur 37 ». C'est là une référence directe à une erreur au lancement de Diablo 3 qui empêchait les joueurs d'accéder au jeu en affichant un simple message « Erreur 37 ». Ça avait fait pas mal scandale à l'époque et pas mal de gens avaient gueulé contre Blizzard, donc c'est plutôt couillu qu'ils y fassent référence. Et voilà, vous avez eu votre dose d'Easter Egg extraordinaire. Avant de se séparer, je vous invite à aller voir l'épisode de 6 Easter Egg extraordinaire sur Spider-Man PS4, étant donné que le film Spider-Man vient d'avoir un Oscar, et c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller découvrir la page Utip de Big Geek pour nous soutenir, c'est juste là, dans la description. Je vous invite aussi, évidemment, à partager la vidéo, à vous abonner, mais ça vous le savez certainement déjà, et je vous dis à la prochaine. We'll be right back.